Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu sur PlayStation 4 Resident Evil 7 Biohazard. Et donc ça va être ma cinquième vidéo sur ce jeu qui est un peu horrifique. Je me balade dans une maison abandonnée, enfin pas tellement abandonnée puisque dedans il y avait une famille un peu folle, on va dire. Mon but ça va être de ressortir de cette maison. Il y a eu plusieurs épisodes de suite, alors si vous avez pu voir les autres épisodes, il y a eu pas mal de moments où j'ai sursauté, donc il y a pas mal de moments justement qui sont très flippant, on va dire. J'ai réussi à faire quasiment toute la maison et à récupérer les trois petites reliques de chien, tête de chien, pour ouvrir la fameuse porte qui me permettait de sortir de la maison. Et donc là, je vais vous faire découvrir la suite. Mais surtout, depuis la dernière vidéo, je me suis posé la question de savoir ce fameux fusil, comment le récupérer. Et je me suis rappelé d'un truc. C'est-à-dire qu'il y avait une porte dans le hall principal qui avait un scorpion. J'ai utilisé la clé pour ouvrir la porte, et contrairement aux autres portes qui s'ouvrent avec des clés, la clé est restée dans mon inventaire. Moi après j'ai été blindé d'objets, donc je suis allé la mettre dans le coffre, pour la mettre de côté. Mais je suis en train de me demander si les autres portes qui étaient à l'étage, parce qu'il y en a quand même deux de pièces à l'étage que j'ai pas pu ouvrir, et il me semble qu'elles ont un peu le même logo, j'ai repensé après qu'elles avaient un peu le même logo que la clé, que le scorpion, et pareil, il y a aussi dans le sous-sol une pièce que j'ai pas réussi à ouvrir. Les amis, je crois que... voyez, hop. Qu'est-ce que je fais là? Je suis sorti, tout simplement. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire. On va retourner dans la maison. Et je vais aller chercher dans le coffre... je vais aller peut-être plus dans l'autre, il est peut-être plus près. Je vais aller récupérer... vous voyez cette porte-là? C'est celle-ci, justement. Il fallait une clé avec, avec un scorpion. Et j'étais étonné qu'elle reste cette clé là et que je l'ai toujours. Et je crois que je l'ai mise dans le coffre. Ben ouais, clé scorpion, elle est là. Ah, c'est n'importe quoi. On va la récupérer et on va essayer de voir si je peux aller au sous-sol et l'utiliser. C'est clair qu'il y a sûrement des objets à récupérer. Mais surtout, il y a aussi deux pièces en haut. C'est vrai que le sous-sol est toujours aussi effrayant. Ah, c'est verrouillé de l'autre côté que je peux absolument pas y aller. Alors là, il y a un truc quand même. Hein. Comment on fait pour aller dans l'atelier? Il est en dessous de quelque chose. Et puis ce qui est... je vais monter, on va voir. Ce qui est aussi... aussi intriguant, c'est qu'il y a deux endroits où il y a des sortes de petits coffres que j'ai pas réussi à ouvrir. Les deux fois, ça me dit que j'ai pas les matériels qu'il faut. Donc voilà, par contre. Je vais... Ah, j'ose pas aller m'aventurer là, mais... Je vais dire, si ça se trouve, l'atelier, il est accessible par là-bas. Alors, je suis carrément au-dessus de la réserve, là, vous voyez. Au-dessus de la salle d'incinération, donc ça n'a rien à voir. Bon. On va aller à l'étage, on va essayer d'utiliser la clé la clé scorpion, puis c'est quand même intriguant que je puisse pas ouvrir ce fameux... Alors, elle est où la clé? Ça ne rentre pas dans la serrure. Bon, bah super. On va essayer l'autre pièce. Et là-dedans, il y a quoi, là? Je crois qu'il y a une pièce là aussi. Ça n'entre pas dans cette serrure. Et il faut quoi là-dessus? Pourquoi c'est marqué S, clé S? Bah écoutez les amis, je sais pas quoi penser. Ah, j'ai cru que j'avais trouvé une solution. Non, en fait non. Bon, je vais aller voir la... Et ça?
marche pas non plus. Il y a un S dans la buanderie. C'est quoi cette histoire? Bon, je vais essayer de voir. Est-ce que je peux y accéder par là? Ouais. Ça va plus vite. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et là. Bah, je pensais que cette clé scorpion elle pourrait m'aider, mais en fait non, je me suis trompé. Bon, il y a un bug, pourtant c'est bien un S comme scorpion, enfin. Et qu'est-ce que j'ai mis de côté sinon? J'ai mis des pièces, une photo d'un trésor. Rattacher un scorpion mort. Ah, je comprends pas. Eh ben les amis, là je coince, hein, franchement je croyais commencer cette cinquième vidéo avec quelque chose qui ferait avancer dans le jeu, mais je suis un peu déçu là sur ce coup-là. Qu'est-ce que j'aurais raté? Je suis très déçu, franchement. Pourquoi je peux pas utiliser cette clé scorpion? Je vais refaire le tour rapidement. Ah, je l'avais pas refait le coup d'avant, la dernière vidéo. Sinon, on continuera l'aventure. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais raté ici? J'ai trouvé le trésor. Ah, ici il y a une pièce encore. Il y a quoi comme symbole? Qu'est-ce que c'est que ce truc? La réserve. Il y a encore une pièce que j'ai pas réussi à ouvrir, mais c'est un truc de fou! C'est quoi ça? Remède de premier soin. Bah, fallait le savoir qu'il y avait quelque chose. Et c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Je peux pas le prendre. Bon, on va essayer d'utiliser la clé, on verra bien. Alors, clé scorpion. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai rien d'autre, hein. On va reprendre la suite, hein. Ben, je crois que je vais ressortir de la maison et puis on verra bien. Il y a ce coffre aussi que j'ai pas réussi à ouvrir. Incroyable. Il y a quand même quelque chose que j'ai raté quelque part. C'est tous ces coffres à ouvrir. Il y en a quand même deux. Il y a trois ou quatre pièces. Quatre pièces que j'ai pas trouvées. Ça, je suis un peu déçu là-dessus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a forcément quelque chose quelque part. Ah. Oui, cette boîte.
De rien, de rien. Après, je suis étonné que je puisse pas accéder dans la pièce en dessous aussi. Parce que là, je suis là. Salle d'incinération, je suis en train de regarder. Bon. Il y a un S là-bas aussi, encore une clé avec un scorpion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y en a combien? Même l'atelier en bas, comment ça se fait? Bon, porte avec un scorpion, ok. Va retourner à l'atelier, mais je vais passer sur le côté, on va voir s'il n'y a pas un chemin. Et là, c'est quoi ça? Des munitions. Ça, faut peut-être que je les casse, peut-être je vais trouver quelque chose. Hein. Je vais descendre et je vais voir si je peux ouvrir la porte avec la clé scorpion. Parce que là aussi, en bas, c'est un S. Non mais... Peut-être un ordre, je sais pas. Allez, on y va. Ça ne rentre pas dans la serrure, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? À moins qu'il faut la transformer, la clé? C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Bon, ah, je sèche les amis, mais complètement. Alors, elle me sert à quoi cette clé si elle revient? Alors là, voilà. Là, il y a un truc pour cet atelier. Il est bloqué de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit pour passer par-dessus? Et là, par là. Ça fait loin quand même, hein. Rien du tout, les amis. Je crois que je vais sortir de la maison parce que je crois que... Est-ce que je peux pas grimper? Je sais pas. J'entends plein de bruit, mais alors... un endroit pour monter, c'est pas possible. Je me dis qu'il y a peut-être un endroit où je peux grimper et passer par un conduit, je sais pas. C'est moi qui fais ce bruit? Au-dessus.
Là, je suis sur le côté. Bon bah les amis, j'ai farfouillé de partout, j'ai refait deux fois le tour, j'ai essayé d'utiliser cette fameuse clé, mais il n'y a rien qui se passe. Bon, rien à faire, je vais sortir de la maison. On va aller farfouiller dehors, on va avancer dans le jeu. Peut-être que ça me donnera une idée et puis que je pourrais... Je suis un peu déçu pour cette porte en haut, mais c'est un truc de fou. Oh, bon sang de bonsoir. Et qu'est-ce que je fais là? Ah, le S, c'est le coffre, mais il y a d'autres portes avec des S. Qu'elle a cette porte? Un serpent? Alors c'est peut-être pas un scorpion, c'est un serpent qu'il faut. Chambre d'enfant, c'est des serpents, c'est pas des scorpions. Chambre de grand-mère, par contre, là-bas, c'est un scorpion. Ah, attention, j'ai vu quelque chose que j'avais pas vu tout à l'heure. Ah, là, je savais pas qu'il y avait une pièce d'ailleurs. J'ai même pas réfléchi qu'il y avait une porte. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà un scorpion. Ça marche. Oh, excellent. Enfin, on va pouvoir avancer dans le jeu. Des cartouches de fusil. Pourvu que je trouve quelque chose d'intéressant. Là, qu'est-ce qu'il y a? Alors, comment vous sentez-vous? Ça l'a fait un certain temps. Faites votre dernier check-up. Bon, rien d'intéressant. Rien. Oh bah non. Du fluide. Là. Munition de pistolet. Ah ouais, bon, c'est une bonne réserve avec plein de trucs, plein d'objets. Et là, il y a quoi? Un dentier? Oh non, je suis déçu. C'est dégoûtant.
Ok, bon. Oh, le fusil cassé! Eh ben, est-ce que je peux pas l'échanger contre l'autre fusil? Ah, ça change tout là! Par contre, le truc de serpent, je sais pas ce que c'est. Eh ben, on y va? Par contre, il faut que je fusionne des trucs quand même, ça. Wow, c'est possible ça? Va chercher le fusil. Et là, n'empêche que le serpent, il y a des portes. Il me faut un truc avec un serpent. Hein. Je l'ai pas trouvé. Purée, si j'avais su. J'ai pas fait gaffe à cette pièce. En fait, je croyais que cette porte, elle menait sur l'extérieur. Ah bon? Ah zut. Ah, mal joué. Qu'est-ce que je pourrais faire de la place dans mon inventaire? Maintenant, je vais la ranger la clé scorpion, à moins qu'il y ait un autre endroit dehors. Oh, c'est le serpent dehors encore. Et il faut quand même un truc qui me permette d'ouvrir toutes les portes avec une clé serpent, je sais pas ce que c'est. Il doit être dans les coffres, ça se trouve. Encore toutes ces pièces là que j'aurais pas découvert. Hein. C'est vrai que peut-être qu'en avançant dans le jeu, j'ai peut-être trouvé un truc qui me permettra après de pouvoir revenir. Allez, on va prendre le fusil déjà. Là. Et je vais mettre le cassé à la place. Il est où? C'est celui-là. Excellent! Là, j'ai le fusil. Ah, j'aurais peut-être pu derrière m'en sortir mieux hein, avec le fusil. Hein. Bon, ouais, c'est comme ça, c'est le jeu. Allez, on va maintenant visiter l'extérieur. Y a des trucs à droite. On va allonger ça. Attends à être attaqué à chaque instant. Une petite statuette encore. Je peux pas la dégommer celle-là. D'accord. Il y a une caravane ici. Supplément de quoi? Ah d'accord. Ouais, c'est quoi ça? Et on va activer. Faut utiliser un objet?
Oh mais j'ai rien là. Je fais le tour de la caravane et là il y a une porte. C'est verrouillé de l'autre côté, d'accord. On va aller dans la caravane, on va voir ce qu'il y a. J'ai fait quasiment tout le tour. Ah, c'est quoi ça? Rien. Oh, encore un coffre là-bas. Ouh là, il y a plein de trucs à voir. Ah, pour sauvegarder. Un pistolet cassé. Ok, ça peut peut-être servir, je vois. Là, c'est pour mettre les objets, donc je vais mettre ça. Le scorpion, bah ça aussi, parce que de toute façon, je sais même pas s'il me servira. C'est quoi ça? Ah, d'accord, faut les ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ah, j'ai compris! Quand on met des pièces, on peut débloquer les... Oh, bah, faut le savoir! Il y a encore un magnétoscope. D'accord, les pièces qui sont comme ça, elles servent à débloquer les machins. Ok. Allez, je vais sauvegarder. Déjà. Important de sauvegarder de temps en temps. Donc là, il y a quand même une petite avancée. J'ai pu récupérer le fusil, j'ai pu avancer dans le jeu. C'est quoi ça? Comme d'hab. Oh putain. Zut. T'as réussi. J'avais jamais vu quelqu'un arriver aussi loin. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça va m'aider à sortir d'ici? Oui. Écoute-moi attentivement, Ethan. Ma famille et moi, nos corps sont contaminés. Je ne peux pas quitter la résidence tant que je suis infectée. Et c'est pareil pour Mia. Est-ce qu'il y a un antidote? Il nous faut le sérum. Ça devrait éliminer ce truc qu'on a dans le corps. Du moins, tant qu'il n'est pas trop tard. D'accord. Où est-il? Si je le savais, je serais déjà partie d'ici. Mais je crois que ma mère l'a caché quelque part, dans la vieille maison. Donc si on le trouve, je pourrais aider Mia et on pourra sortir. Oui. Et moi aussi. La vieille maison est au bord de l'eau. Tu ne peux pas la rater. Ok. J'espère que tu pourras échapper à ma mère. Ta mère? Oula. Sois prudent. Ils vont être après toi. Oula. On va déjà aller visiter au bord de l'eau, ok. Je sais pas où elle est au bord de l'eau, mais bon. En plus, il me faut un objet là-bas pour allumer. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs à faire, hein. Des voix aussi bizarres. Ah, c'est quoi ça? Un canon, ça peut toujours servir.
là-bas, la maison au bord de l'eau. Elle est là-bas. Ok. Ah, mais il est peut-être pas... Ah, ok, je suis dans le chemin, mais par contre, il y a un truc que je voudrais aller voir avant, là-bas. Parce que c'est bien beau que je descende, mais là, c'est quoi, ça? Quoi, cet endroit? Ah, c'est quoi, ça? Voilà. Mince. Un crochet, magnifique. Et il y a des coffres dans le... Ouh, il y a un crochet. Allez. Où est-ce que j'ai trouvé qu'il y a un coffre qui est fermé? C'est en haut. Et là-bas aussi. Zut, on va aller là-bas. Faut que j'essaye le crochet dessus. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Là. Oui! C'est tout? Oh, la déception! Mais je l'ai plus maintenant, le crochet! Oh bah non, je suis super déçu, y'a que ça! Oh bah, sauf que maintenant j'ai perdu le crochet, donc il va falloir en trouver un autre. Il y a un truc là quand même. Mais est-ce qu'elle est sur le côté? Quoi ça? Je peux pas avancer là? J'ai pu me glisser derrière. Allez, hop, je peux pas avancer. Je veux bien comprendre c'est quoi cette histoire. C'est dans le sous-sol? Ça, c'est le sous-sol. Bon. Il y a quand même beaucoup de mystères, hein. Et là. Oula, c'est quoi ça? Ah, agent de séparation, c'est quoi ça? Je peux pas aller dans cette partie? L'agent de séparation, il sert à quoi? Je vais essayer un truc. Quand même un coffre, des pièces que j'ai pas trouvées, et là je fais quoi avec ça? Ok. Je peux pas. Faut que j'aille à la maison. Allez, go! Je vais peut-être prendre le fusil. Je connais pas l'impact du fusil, mais c'est toujours plus puissant que le reste. Hein. S'il n'y a pas des objets. Je me sens pas à l'aise avec le fusil, je sais pas pourquoi. Et ok, c'est fermé là. Ah non, c'est ouvert. Oh. Ah bah. Ça.
Il y a un truc derrière là. Ok. Et voilà, dans le rêve de Mia. Oh, c'est quoi ça? C'est dangereux ou c'est pas dangereux? Ouais, on peut utiliser des balles pour ça. On a un autre? Mets un là. Mets un là. Dans la fameuse maison où tout à l'heure je jouais le rôle de Mia, en fait, où je m'enfuyais et la mère me pourchassait. Ça faisait flipper, hein. Par contre, je suis pas allé là-bas, je sais pas ce qu'il y a là. C'est quoi ça? Ah, un lance-lame. Ok. Quoi ce truc qui bouge là? Le combustible. Par contre, je suis blindé, hein, les amis, en objet là. À mon avis, faut fabriquer un lance-flamme et griller des choses. Oula, oula, c'est dangereux ça. Je me casse. Je dois fabriquer un lance-lame, je pense. Pour retourner là-bas, il va falloir que je fabrique le lance-lame. Oh purée, je passerai pas là. Je vais me faire lui déjà. Mais je sais pas si ça diminue ou pas. Ça diminue ou ça diminue pas là? Parce que c'est la question que je me pose. Bonsoir, mais je vais où? Je peux pas aller là non plus. Bon, je passe comment sans lance-flamme? Ok, super. Est-ce que j'ai des munitions? Je sais pas. Il faut que je foute le feu à un truc là. Je combine les objets, je vais peut-être retourner dans la... Je vais retourner dans la petite caravane. Il y a quand même beaucoup de mystères, beaucoup de difficultés où je suis coincé.
où j'ai pas trop avancé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas un objet à récupérer? Un crochet? Si, là, il y a un crochet. On peut pas le récupérer, le crochet? Ça. Ah zut. Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai des pièces. On va aller voir les pièces et qu'est-ce qu'on va faire avec les pièces. 3 là pour ouvrir ça. 5 pour ouvrir ça. Et pour avoir un super pistolet, 8, d'accord. Qu'est-ce que je fais avec un stabilisateur alors que j'ai ça? Ah bon? Ce que ça donne. Voilà, et ok, je fais quoi maintenant? Ah, il faut un lance-lame. J'ai du combustible. Fabriquer du combustible déjà. J'ai progressé. C'est compliqué, hein. Je coince.
une petite idée, un lac à ramen, il y avait quelque chose. C'est quoi ça? Vraiment, faut fouiller de partout, hein. Faut aller dans la maison. Le problème, c'est que dans la maison, je peux pas avancer. À moins que je tire avec le fusil. Et si je tire avec le fusil, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas fait grand-chose, hein. Le plan pour le lance-flamme, et où est-ce qu'il se trouve? Bon bah voilà, je suis à nouveau coincé. Alors là, par contre, je suis un peu inquiet parce que je trouve pas de solution du tout. Parce que pour fabriquer ce lance-flamme, il y a plusieurs objets et j'en ai pas trouvé un seul.
Ouais, c'est autre chose. Marche pas. Oui, c'est là, c'est forcément cette. Les serpents. Forcément des objets où j'ai pas vu. Il y a un crochet à récupérer, il y a quelque chose dans les objets. C'est pas possible autrement. Bon, j'ai quand même progressé dans cette vidéo, mais c'est vrai que là, je suis un peu forcément un crochet à quelque chose à récupérer quelque part. Ah, j'ai trouvé du combustible là. Incroyable, 200 combustible. Je l'avais pas vu tout à l'heure, ça, hein.
Je refais les objets parce qu'on sait jamais. Je fuirais à la recherche d'objets que j'aurais pas découvert. Bon, j'ai retrouvé des munitions, des trucs comme ça, mais... Dans le salon au début, je sais pas. On va aller dans le salon. Ah, c'est quoi ça? Une botte. Je peux récupérer quelque chose là-dedans?
Y a rien. Bon. La fermeture, je peux pas l'ouvrir, je peux pas. Parce que je sais plus où aller moi les amis hein. Franchement là je sèche complètement, il me faut une clé que je trouve pas une clé serpent qui doit bien. Mettre à louer d'autres ou quatre pièces. Bon, il n'y a rien de spécial. Peux pas prendre ce truc. Bon, ouais. Fait tous les recoins, c'est un truc de fou. C'est de faire les côtés, s'il n'y a pas un truc à attraper. En bas dessus. Mais sur qui? Sur ça? Je vais essayer.
pas marché. Bon ben voilà les amis, je sèche complètement et je sais plus. Où aller farfouiller, j'ai fait toute la maison. Parce que le sous-sol, hein, c'est pas possible. Incroyable. Bah, les amis, si vous avez une idée, n'hésitez pas à mettre un message à de l'herbe. C'est quoi ça? Ah, enfin j'ai trouvé quelque chose. Oh purée! De réparation. Voilà. Allez, on va aller mettre le kit de réparation sur le truc là-bas. Eh ben, c'est compliqué, hein. Ah bon? Oh zut! Est-ce que c'est pas avec... Pour réparer une arme à feu cassée. Bien une idée, c'est réparer le fusil cassé, mais... un pistolet, je pense que je vais. Allez, on va réparer le pistolet cassé, on va voir. Mince. Oh, j'ai réparé le pistolet. Ah bah super. Bon, j'ai pas avancé plus que ça par contre. Ouais, bon bah j'ai réparé un pistolet. Bon bah c'est toujours ça de gagner, hein. Attendant. Ça m'a pas fait mon lance-flamme, hein.
C'est-à-dire qu'il y a une autre cassette que j'ai pas trouvée. Vu que j'ai pas réussi à aller là-bas. Bon bah écoutez les amis, j'ai fait une heure de farfouille. J'ai un petit peu avancé, mais je trouve que c'est très compliqué d'arriver à trouver les bons trucs. Donc je vais sauvegarder là ma partie. Et puis bah j'essaierai de reprendre et puis d'aller beaucoup plus loin. Ouais là, je coince pour le lance-flamme, pour trois pièces. Après j'ai quand même vachement évolué depuis la dernière mission. J'ai quand même, en farfouillant, en refaisant tout, j'ai pas refait totalement le sous-sol. Il va falloir que j'y retourne au sous-sol, je pense. Mais c'est pas fini, j'abandonne pas. Et je cherche pas non plus à trouver des solutions. Mais si certains ont des idées, n'hésitez pas. Et bah écoutez, voilà les amis, et bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.